सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता चार दीवारी में शगुन के इस पुलवारे में उम्र भी है काटे भी साज में पकड़ो धुन तुम छेड़ो रिश्तों की Pourquoi lui as-tu fait ça? Mais maman, je n'ai rien fait, crois-moi. Quelqu'un m'a tendu un piège. Sanchi! Sanchi, tu ne leur as pas montré la vidéo? Maman, il faut me croire. Sanchi, s'il te plaît, pourquoi tu leur dis pas la vérité? Sanchi n'a absolument rien à dire. Elle est aveuglée par l'amour. Et elle est incapable de voir la vérité. Nous n'avons que des problèmes depuis votre union. Ariane, Sanchi est aveuglée. La vérité, c'est que depuis que vous êtes mariés, nous ne cessons de subir de plus en plus de problèmes. Tu n'as plus de vertu. Tu as oublié tous tes enseignements. Tu deviens une autre personne. Qu'est-ce qui t'a pris, Ariane? Au point d'aller maltraiter la petite Nikita, qu'a-t-elle bien pu te faire pour que tu en arrives là? Et maintenant, tu es coincé en cellule et tu n'arrêtes pas de dissimuler la vérité à tout le monde. C'est un péché terrible que tu as commis. Maman, tu n'as pas confiance en moi. Comment pourrais-tu croire que je peux commettre un acte aussi violent et honteux? Quand tu me regardes, est-ce que tu vois en moi un criminel? Je vois un homme derrière les barreaux qui a terni à jamais la réputation de toute sa famille d'une façon qui ne pourra jamais être éclaircie plus tard. Ce que tu as fait est inconcevable et il est impossible de revenir dessus. Ariane, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça? Et toi, papa? Pour la toute première fois, je ne sais pas quoi dire face à cette situation, Ariane. Qui dit la vérité? Qui ment? Qui devrais-je ou ne devrais-je pas croire? Je ne comprends pas, Ariane. Je ne comprends rien, Ariane. Tu vois, Sanchi, nous sommes encore seuls face à tout le monde. Toute la famille est contre nous. Non, Ariane. Une grande personne a dit que lorsque deux personnes sont ensemble, alors ils ne seront jamais seuls. Et tu n'es pas seul. Nikita! Tu n'as pas à montrer autant de joie, Nikita, car je possède encore l'enregistrement original. Eh bien, figure-toi que j'ai détruit l'enregistrement original, Sanchi. Tu es vraiment une fille horrible! Tu n'as pas honte de...
Ne t'avise pas. J'espère que ça t'aura servi. Car au poste de police, tu jouais les femmes fortes. C'est fini, ça. Et maintenant, te voilà à genoux. Tu... Que fais-tu? Mais qu'est-ce que tu veux? Ariane! Un problème? N'as-tu pas compris? C'est bien. Alors, écoute-moi, je t'explique. Il n'existe qu'un seul moyen pour faire acquitter Ariane. Il suffit que j'abandonne les... charges qui pèsent contre lui et fini. Donc si tu consens à me laisser Ariane, j'abandonnerai toutes les charges. À la seule et unique condition que tu laisses Ariane maintenant et à jamais. Toi, dehors. Moi, dedans. Parle. Marché conclu. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je te donne Ariane, c'est ça? Retiens ceci, Nikita. Voici la grande différence qu'il y a entre toi et moi. Tu veux Ariane comme objet. Tu veux le posséder. Tu es vraiment prête à tout pour l'avoir, avec toi. Mais j'aime profondément Ariane. C'est pour ça qu'il est à moi et pas à toi, je suppose. Penses-tu vraiment qu'en faisant ça, Ariane divorcera de moi? Non, Nikita. Ma relation avec Ariane est bien trop forte pour être détruite par des choses telles qu'un simple divorce. Jamais tu ne réussiras. Ton plan ne fonctionnera jamais. J'avais entendu dire que l'amour rendait aveugle. Mais je constate qu'il est tout aussi sourd qu'aveugle. Ça explique ce qui se passe. Il se trouve que tu n'as pas bien compris quelle était ma demande. Écoute-moi bien, là. Je veux que tu sortes de la vie d'Ariane et ce jusqu'à la fin des temps, compris? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Peu importe où je pourrais aller me cacher, Nikita, mon Ariane me retrouvera toujours. Il ne sera jamais tien tant que je serai vivante. C'est bien ce que je disais, Sanchi. Tu n'es pas très futée. Il te faut du temps pour comprendre, toi. Je sais bien qu'il ne sera pas à moi tant que tu seras vivante, tu vois. Je le sais bien. Et si tu décidais de mourir? Je suis certaine. Faire cela pour qu'Ariane sorte de prison. Je veux dire que, puisque tu parles beaucoup d'amour, alors tu aimes Ariane plus que tu ne t'aimes toi-même, n'est-ce pas? Paye le prix pour qu'il soit libre en sacrifiant ta vie. Au sujet de comment gagner le cœur d'Ariane après ta mort, j'en ferai mon affaire. J'ai déjà accompli bien des choses dont tu as été témoin. Tu peux me faire confiance. Tu devras mourir, Sanchi. Tu dois mourir pour sauver Ariane. Tu dois mourir et tu le sais. Sinon, que feras-tu, hein? Sinon, Ariane va payer pour tes erreurs. Je peux le faire. Assassiner si je le souhaite vraiment.
Ou alors, je peux le faire insulter au point où sa famille mourra de honte. Et lui, il fera une dépression et mettra fin à ses jours. Il va se suicider. Ou alors, par accident, les accidents se produisent aussi. Et des prisonniers, ils laissent leur vie. La vie est tellement étrange, Sanchi. Parfois, elle ne nous donne pas assez de temps pour réfléchir. Et tu n'as qu'un seul jour. Au fait, tu as seulement jusqu'à demain. Par conséquent, tu n'as ni le temps, ni le choix. Pense-y. Même si tu rates cette opportunité, moi je ne la manquerai pas. Mon frère Sanchi est la seule pour qui je voudrais continuer à vivre. Sinon, après ce qui s'est passé, comme maman l'a dit, la famille m'a abandonné. Comment maman a pu dire une telle chose? Comment peut-elle imaginer que je puisse faire du mal à une fille? Mon frère, tu me crois, n'est-ce pas? Toi aussi, tu crois que je... Non, non, Ariane, écoute-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu auras toujours le soutien de ton frère, peu importe les dires. Car je sais que tu es vraiment innocent. Tu n'as rien fait. Sois patient. Sanchi et moi allons te faire sortir d'ici. Tu seras libéré. Reste calme. Fais-nous confiance. J'ai du mal à croire qu'une belle fille puisse porter la poisse à une famille. Mère, pourquoi est-ce que tu dis ça? Priyanka, mon fils n'a jamais été comme ça. Il était un très bon garçon. Mais, pour dire vrai, Ariane a changé à partir du moment où Sanchi est entré dans sa vie. Il n'a plus le discernement. Belle-sœur. Belle-sœur, je peux comprendre que tu sois très triste. Mais accuser Sanchi de tout ce qui arrive n'est pas juste non plus. Je suis désolée. Mais tu mélanges deux problèmes complètement différents. Tu as tort, Nilima. Car tu ne peux pas comprendre. Ton fils, lui, il t'obéit toujours. Il te respecte. Voilà la raison. Mais mon Ariane, il est prêt à souffrir. Cependant, il ne me respecte pas, pas un instant. Il me maltraite. Ariane peut te maltraiter. Mais en quoi Sanchi est-elle coupable? Mon Ariane n'aurait pas été triste si Sanchi et lui ne s'étaient pas disputés. Même après ce qui s'est passé, tu dis que Sanchi n'est pas responsable de ce qui arrive à mon fils? Tu n'as qu'un seul moyen pour faire sortir Ariane de prison et tu le sais. Ariane m'appartient désormais. Je retirerai toutes les charges qui pèsent contre lui. Et il sera libéré. Seulement si tu fais en sorte de sortir de sa vie, et ce pour toujours. Je sais bien qu'il ne sera pas à moi tant que tu seras vivante. Et si tu décidais de mourir? Je t'aime, Sanchi. Thank you.
Allô? Sanchi, ma fille. Ma fille, ne perds pas la foi, ok? Ton père est encore en vie. Et il ne t'abandonnera jamais. C'est une mauvaise période. Peu importe ce qu'il se passe, même si c'est difficile. J'ai engagé un célèbre avocat de Delhi. C'est lui qui défendra Ariane. Écoute-moi, ma fille. Maintenant, tout va bien se passer. Dis-moi où tu te trouves en ce moment même, et je viendrai te rendre visite. Sanchi, ma fille, pourquoi ne dis-tu rien? Papa, je t'aime. Je t'aime, mon papa. Tu sais quoi, papa? Je sais que... tu ne m'abandonneras jamais. Et ce peu importe ce qui va arriver. Jamais. Mais cette fois, c'est mon combat, papa. Je suis la seule à pouvoir le faire sortir de prison. Tu dois me faire une promesse, d'accord? Si tu veux vraiment m'aider, bien sûr. Tu prendras toujours soin de maman et de toi. Sois plus explicite, ma fille. Hein? Comment vas-tu gérer cela toute seule? Dis-moi où tu es et je viens tout de suite. Retrouvons-nous et discutons. Non, papa. Tu te souviens, tu supportais tout ça sans rien nous dire, toi. Lorsque tu m'as appris à faire du vélo. Et lorsque j'oscillais, tu venais. En courant avant que je ne fasse demi-tour, et tu m'aidais. Papa, le moment est venu à présent. Tu dois oublier cette étape. Où tu venais toujours me secourir. Je vais continuer, toute seule maintenant. Je vais sauver Ariane, papa. Souviens-toi juste de ta promesse. Prends soin de maman et de toi, d'accord? Sanchi. Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que Sanchi essayait de me dire? Je n'ai rien compris. Elle veut gérer ça à sa façon. Tu me fasses une promesse. Tu n'abandonneras jamais. Peu importe ce qui arrivera, d'accord? Absolument jamais. Ariane, je promets que je vais te faire sortir d'ici. Et n'oublie jamais une chose. Tu sais, je t'aime énormément. Je t'aimerai toujours. Qu'est-ce qu'il y a, Sanchi, hein? Pourquoi donnes-tu l'impression que tu vas partir très loin de moi? Sanchi, tu es ma force, sache-le. Et crois-moi, je serai perdu si tu perds espoir. Non! Tu m'en as fait la promesse, n'est-ce pas? Tu n'abandonneras jamais, peu importe la situation. Je dois m'en aller. Allô? Oui, dites-moi. Vous avez vu Sanchi? Où et quand? Ah, hier, je parle d'aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez vu aujourd'hui? Ok, pas de problème.
Cet homme l'a vu hier. Papa, Sanchi est partie chez elle après avoir vu Ariane. Elle parlait d'une façon bizarre lorsqu'elle a parlé à son père. Je me demande où est-ce qu'elle a bien pu aller. Allô? Sanchi? Attendez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez, Monsieur Mittal, nous sommes désolés pour ce qui s'est passé. Les enquêteurs ont révélé que ce n'était pas un accident, mais c'était plutôt un cas de... En fait, c'était plutôt un suicide. Un suicide ? Inspecteur, nous avons trouvé un bracelet sur le corps. Voici le bracelet. Sanchi! Mon frère, Sanchi ne peut pas me laisser, dis-moi que c'est un mensonge. Sanchi! Sanchi! Mon frère, dis-moi que c'est faux, Sanchi ne peut pas m'abandonner, non. Nous avons de mauvaises nouvelles. Nous venons d'apprendre que la belle-fille de la célèbre famille Setia n'est plus de ce monde. En fait, elle est morte sur le coup suite à un accident de la circulation. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous aurons plus d'informations. À partir de maintenant, Ariane ne sera qu'à moi seule. Été retrouvée avec le sac à main. Il me semble qu'elle vous a laissé un mot avant de s'en aller. Papa, avant que tu ne sois en possession de cette lettre, j'aurais déjà disparu. Je sais que mes actions vont te causer d'immenses souffrances, mais je te supplie de me pardonner. Tu m'as toujours enseigné les valeurs de la vie,
comment vivre la tête haute et comment respecter autrui. Mais après ce que j'ai vécu, ces deux derniers jours, il m'était impossible de vivre dignement et avec fierté. Je ne pouvais pas faire la différence entre le bien et le mal. J'ai fait de mon mieux pour ne pas perdre espoir. Mais au bout de ce tunnel sombre, je n'ai trouvé aucune lueur d'espoir, papa. Je suis désolée. Accordez-moi un instant, je reviens. Ok. Nikita, tu es contente maintenant? Es-tu satisfaite? C'était ton but. Tu as toujours voulu séparer Ariane et Senshi, n'est-ce pas? Félicitations, tu as atteint ton but. Senshi s'est séparée d'Ariane. Et ce pour toujours. Qui aurait cru qu'elle pouvait le faire? Qu'y a-t-il? Tu n'es pas contente après cette victoire? Non, ma tante Nilima, je... Ce n'était pas mon intention. En fait, même après ce que j'ai vécu, j'ai laissé tomber. Simplement parce que je vous considère comme une personne vraiment particulière. Et je ne pouvais pas supporter de vous voir tous souffrir autant. C'est le pire que j'ai pu supporter, mais je n'ai jamais... Je n'ai jamais voulu que ma tante Sarita et Ariane soient en désaccord, et encore moins à cause de moi. Vous ne me croirez peut-être pas, mais c'est vrai. Si vous pensez que je suis en train de vous mentir, vous n'avez qu'à lui demander, parce que je viens de soumettre une demande de retrait concernant l'affaire. Vous pouvez me croire. Et j'aurais pu poursuivre cette affaire. Mais je ne l'ai pas fait. Peu importe ce qui s'est passé. J'aimerais connaître les intentions de Senshi maintenant. Je n'avais aucune idée de la tournure des choses, sinon je ne serais même pas venue ici. Je n'aurais pas fait tout ce scandale parce que je n'ai jamais voulu rendre cette affaire publique, croyez-moi. La caution de Monsieur Ariane a été réglée. Il peut maintenant partir. Nikita. Je savais que tu ne t'éloignerais pas de moi. Prête pour une balade? C'est oui ou non? Oui. Doucement. Si ta mère se réveille, alors... Nous sommes morts. Viens. Qu'y a-t-il? Hé, Kusum, pourquoi es-tu... Kusum, ne pleure pas. Senshi est juste là.
La fermeture de sa veste ne fonctionne plus. Je vais essayer de la réparer et tout ira bien. Viens! Attends. Sanchi est parti. Sanchi est parti. Notre Sanchi n'est plus. Viren, elle n'est plus. Viren, elle n'est plus. Notre Sanchi n'est plus. San... Elle est partie. Elle est partie. Notre Sanchi n'est plus. Viren. Retirer la plainte. Ce n'est pas un jeu d'enfant pour que tu le prennes. Avec tant de légèreté. Jusqu'à aujourd'hui, aucun juge n'a osé clore une de mes affaires sans m'avoir consulté au préalable pour avoir mon point de vue. Et toi, tu viens retirer la plainte sans mon avis. Mon oncle, je suis désolée, mais... Je ne voulais plus voir cette famille souffrir. Je suis d'accord qu'Ariane a fait une énorme erreur, mais je ne peux pas punir la famille à cause d'une seule et unique personne. Mon oncle, ils ont déjà traversé beaucoup trop de choses. Je n'aimerais vraiment pas qu'ils souffrent encore à cause de moi. En plus, ils sont comme une famille. Assez. Tu me fais pitié. Dès à présent, je vais reprendre cette affaire moi-même. Qu'as-tu fait? Tu as pitié d'eux, maintenant? N'oublie pas que le fils de cette famille a mal agi. Toi-même, tu as été témoin de leur comportement. Tu as pitié d'eux? Ils se soucient seulement de ce qui les intéresse, et tu veux toujours les réconforter? Alors ne te gêne pas. C'est ta vie. Tu sais à quoi t'en tenir, mais attention, tu devras savoir que dorénavant, ta mère, y compris moi, bien sûr, n'existeront plus. Fais ce que tu veux. Allez, vas-y, donne-toi corps et âme pour eux, fais-le! Mais écoute-moi attentivement. Sanchi n'est pas morte seule. Laisse-moi te dire que même toi, tu es aussi morte à nos yeux. Non, mon oncle, non! S'il vous plaît, mon oncle, ne... Ne le faites pas, s'il vous plaît. Mon oncle. Monsieur Mittal. Papa s'est enfermé dans la chambre de Sanchi et ça fait plus de 2 jours. Il ne parle pas et ne veut voir personne. Il regarde la photo de Sanchi et il murmure tout seul dans sa chambre. Seigneur Dieu, permettez à Ariane de retrouver le bonheur. J'aimerais qu'il soit joyeux comme il était avant. Mère, cesse de pleurer. Ma fille,
Je n'aurais jamais pu imaginer que Sanchi allait un jour nous quitter. Qu'elle s'éloignerait de nous si soudainement pour ne jamais revenir. Mère, s'il te plaît, non, ne pleure plus. Mère, on ne peut pas changer le destin. Et aucun de nous n'aurait pu faire quoi que ce soit pour éviter cette situation désastreuse. Et puis, en ce qui concerne Sanchi, En fait, elle va beaucoup nous manquer à tous. Mais ce serait vraiment injuste de penser que tu en es responsable. Non. Ce qui s'est passé n'est pas de ta faute. Nous devons prier pour le repos de sa pauvre âme. Et concernant Ariane, il faut lui laisser du temps, mère. Avec le temps, il surmontera son chagrin. Et tu verras, tout ira bien. Ma fille, as-tu déjà parlé à Nikita ? Eh bien, j'ai essayé de la joindre par téléphone dernièrement, mais elle n'était pas disponible du tout à ce moment-là, donc on n'a pas pu en parler. Vous avez sans doute traversé plusieurs fois ce grand immeuble situé en plein centre-ville. Que regardes-tu, Sonu ? Actuellement, nous vivons un grand spectacle. Une jeune fille est montée en haut du sommet pour se suicider. C'est exact. Comme vous venez de l'entendre, pour se suicider. Cette jeune fille veut mettre fin à sa vie. Mon oncle ! Venez voir ! C'est Nikita ! Envoyé spécial était sur les lieux pour faire un zoom sur la fille afin de recueillir les informations. Croyez-moi, juste après la publicité, vous aurez les images en direct sur vos petits écrans pour connaître la suite des événements. Que raconte-t-il ? Belle-sœur ! Priyanka ! Dépêchez-vous ! Nous demandons à tous ceux qui nous regardent de joindre sa famille ou tous ceux susceptibles de la connaître. Ceci est très urgent car la vie de cette fille est suspendue à un fil. Dépêchez-vous ! On y va ! Allons-y. Nikita, ne fais pas ça! Ma chérie! Nikita, descends! Descends de là, Nikita! Descends! Descends! Allons-y! Oui. Allons-y! Allez! Nikita! Nikita, arrête. Que fais-tu? Allez, descends! Viens. Allez, descends! Surtout, ne saute pas! Ne fais pas ça, chérie! Si vous faites encore un pas de plus, je vais sauter. Je ne blague pas du tout. Nikita, s'il te plaît, s'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît, pour l'amour que tu as pour moi, s'il te plaît. Nikita, ne fais pas ça. S'il te plaît, descends. Non, ma tante. Je t'ai déjà fait assez souffrir comme ça. Je ne veux plus être une source de chagrin pour qui que ce soit. Alors il est préférable que je m'en aille de ce monde. Nikita ! Arrête, ne fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. Essaye de comprendre, descends de là. Non, mon oncle. Je n'ai plus aucune raison de vivre sur cette terre. Je n'ai pas de famille. Et je ne mérite pas non plus votre respect. Je préfère donc mourir. Nikita, ce n'est pas vrai. Nous sommes là pour toi. Nous allons prendre soin de toi, on s'inquiète beaucoup pour toi. Tu devrais au moins penser à ta sœur. Nous sommes vraiment très inquiets pour toi. Chérie, comment devrais-je te convaincre? Comment te prouver qu'on s'inquiète pour toi? J'ai passé toute la journée à parler de toi, Priyanka. Nous t'aimons vraiment, ma chérie. Descends de là, s'il te plaît, descends! Viens par ici, ne fais pas ça, surtout. Penses-tu que je peux avoir une place dans ton cœur? J'ai trop honte de rentrer à la maison. Que vais-je faire? Je n'ai plus de place dans cette maison. Je suis désolée, ma tante, mais je m'en vais. Non, écoute, ma chérie, Nikita, ne fais pas ça. S'il te plaît, descends de là. Chérie, ne fais pas ça. Tu as une place dans nos cœurs, tu as une place dans notre famille. Nikita, je vais te ramener à la maison, tu seras ma belle-fille. Je te promets de faire en sorte que tu épouses Ariane.
Ikirishta, 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 Sajidari na.